Aujourd'hui, on se replonge dans les années 90, mais à la sauce 2020 avec Hot Shot Racing. Générique. Vous regardez Amimag TV, la chaîne YouTube de l'Amiga, mais pas que. Chers petits amis, bienvenue sur Amimag TV, je suis Amiga Kid. Alors, aujourd'hui, vous savez, le slogan de la chaîne, c'est de l'Amiga, mais pas que. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, je vous présente... Alors, c'est un jeu tout à fait exceptionnel, vous allez le voir. Il a été développé par Sumo Digital et Lucky Mountain, édité par Curve Digital. Et vous voyez directement sur les graphismes, c'est un jeu, malgré qu'on soit aujourd'hui en 2020, c'est un jeu réalisé à la sauce années 90, à la sauce Luna Park, comme on dit en Belgique, c'est-à-dire salle d'arcade, avec cette ambiance typique des jeux comme Virtua Racing à la belle époque des années 90, des années 90, quand la 3D est arrivée en force dans les arcades, dans les salles d'arcade, mais également plus tard à partir de 1995 sur les consoles genre PlayStation et bien entendu Sega Saturn. Et bien voilà, c'est donc un jeu qui a été développé tout à fait dans ce style, dans cet esprit, et je trouve ça formidable. Pourquoi ? Parce que déjà de un, moi j'adore les jeux de bagnole. Et disons que c'est une excellente idée d'avoir cette originalité de présenter un jeu comme cela en polygone non texturé. Donc voilà. Alors ici nous avons les personnages. Nous avons Alexa, Aston, Xing, Keiko, puisqu'il y a également des nanas, et heureusement, Marcus, vous voyez à chaque fois le détail, leur petite bio. Voici Victor, le russe, qui a un look tout à fait à la Hulk Hogan. Voici Mike et le japonais de service Toshiro. Alors vous choisissez l'un des personnages, on va prendre Mike qui m'a l'air bien sympathique dans son costume là un peu genre cosmonaute. Il a 4 voitures à sa disposition, alors ce ne sont pas des voitures réelles, c'est-à-dire ce ne sont pas les noms vraiment réels des voitures, mais comme on peut le voir pour les spécialistes des autos, chaque voiture ressemble à des modèles existants. Alors voilà, c'est de l'arcade évidemment, hein, c'est de l'arcade à 100%, ne cherchez pas ici beaucoup de réalisme dans le style de conduite, mais regardez-moi ces images, c'est vraiment formidable. Moi j'adore ce look rétro parce que cela me rappelle justement Virtua Racing et autres Ridge Racer plus tard. Alors ici, drift garanti les amis. Je vais essayer à bord de cette Patriote de faire vraiment quelque chose de beau. Alors vous voyez hein, les décors, ça c'est vraiment du Virtua Racing. On est comme ça au bord de la mer. Il y a des checkpoints comme à la belle époque des jeux. Il y a même un volcan là en arrière-plan. Et donc évidemment il y a ici donc... 3 tours dans cette course et la course se termine si on n'arrive pas à temps dans les checkpoints. Alors au niveau de la maniabilité c'est très très sensible, moi avec ma petite manette, mon joypad, je vais essayer de pas faire trop de bêtises et trop de sorties de route. Sinon, je peux vous dire que ben, on est tout de suite dans l'ambiance, ça c'est certain. On drift à fond la caisse. Faut faire attention parce que les concurrents ici ne vous font aucune pitié, aucun cadeau. Et les dépassements, là, je peux vous dire... c'est franchement pas facile du tout. Waouh, c'était tout juste pour atteindre le checkpoint.
Love. J'adore le décor de la marina. Je suis cinquième pour le moment. Waouh, c'est dommage parce que j'étais deuxième. Vous voyez quand je vous disais ici que les voitures, hein, voilà, on sent la Ferrari là, qui vient de dépasser. Inspiration Ferrari, inspiration Porsche également là devant pour une des voitures. Et voilà, la course se termine parce que les feux d'artifice sont déjà de sortie. Sixième. 1 000 $ de récompense, ce qui me fait un total de 11 000 $. On va recommencer la course. Très très beau design pour ce jeu, je vous laisse un peu le circuit ici en vol d'oiseau ou en vol de drone en tout cas, avec le ballon dirigeable, grand classique. Les palmiers, le sable, le soleil. Voilà, c'est Xing qui a une voiture là, à la Porsche 911. J'ai essayé de prendre un bon départ ici avec ma Patriote. 'Éoliennes dans le fond. Les voiliers. Alors j'en profite pour vous rappeler, chers amis, que Amimac TV c'est de l'Amiga mais pas que, donc je vais essayer de temps en temps à dose homéopathique de proposer autre chose que de l'Amiga. Je l'ai déjà fait par exemple avec le petit jeu électronique Mattel. Premier jeu électronique de poche, Auto Race de chez Mattel. Voilà, on va pas aller à contresens. Et alors si ça vous plaît, eh bien, ponctuellement, je ferai ce genre de vidéo. Soit avec d'anciens jeux PC ou d'anciennes consoles. Waouh, c'était tout juste encore une fois pour atteindre le checkpoint. Merci à tous ceux qui sont venus rejoindre les rangs d'Amimac TV. On a dépassé les 150, je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner, chers amis, à activer la petite clochette de notification. C'est la petite clochette que vous voyez à côté de l'abonnement quand vous vous abonnez. Et ainsi, vous serez toujours au courant des vidéos que je poste sur la chaîne. Likez, commentez, partagez, mettez-moi des commentaires, chers amis, parce que j'adore lire vos commentaires. Et n'hésitez pas à me donner des conseils, à me donner votre avis sur les vidéos que je fais, parce que c'est le seul moyen de progresser avec la chaîne. Alors, les sensations conduites, eh bien, j'ai dû me faire un peu ici à l'utilisation de mon joypad parce qu'il n'est pas. Je ne l'ai pas depuis longtemps. Joypad de la marque Trust. Mais je commence un peu à m'y faire pendant que je vais essayer de remonter ici mon retard, remonter les concurrents. Et donc, au niveau de la maniabilité, franchement, j'aime bien. Ben voilà, je termine 8e ici, dernier, bon dernier. Mais j'ai quand même une récompense de 1 000 $. J'aime évidemment le design, ça vous l'aurez compris. La maniabilité de la voiture n'est plutôt pas mauvaise. Mais bon, c'est de l'arcade pure et dure. Allez, c'est parti, on va recommencer. Une course solo, Toshiro, Mike.
Eh bien, je choisis Mike et nous allons choisir eh bien cette voiture qui s'appelle Aigle et qui a une accélération de folie, comme vous pouvez le voir. Voiture typique look des années 60. Atteignez les checkpoints, les moteurs vrombissent et c'est parti. Voilà, premier sur 8. Comme vous pouvez le voir, les concurrents ne me font aucun cadeau. On fonce allègrement dessus et dedans. Alors, ce qui est bien en dessous, vous voyez les petits losanges, et eh bien symbolise les positions des voitures qui sont derrière vous. Lutte ici entre moi et le chinois. Voilà. Ça commence à ressembler plutôt à Destruction Derby qu'à autre chose. Et alors les boosts, ce que je n'avais pas fait dans la première partie de cette vidéo. Il y a quand vous voyez en dessous le petit rectangle, en dessous du compteur de vitesse qui se remplissent, vous avez droit à autant de boosts. Et donc ça vous fait des accélérations de folie pendant quelques secondes. Second pour le moment. Me voici premier. Petit dérapage contrôlé. On va drifter. Je suis dans le décor. Voilà. J'ai intérêt à vite me reprendre. Et vous voyez, hein, ça va très vite. On peut passer de la première à la dernière place en quelques secondes. Drift, la japonaise. Sixième, cinquième. Et me voici premier à nouveau. De nouveau en lutte avec le chinois. Qu'on me fonce vraiment dedans, mais à fond la caisse. Et me voilà premier, les amis. Récompense 10 000 $. J'ai 13, non, même plus. Voilà, j'ai plus de. Ah ben, j'ai exactement 23 000 $ sur mon compte. Ce qui va me permettre de booster mes voitures. Et donc, de faire de jolies choses à ce niveau-là. Voilà, chers petits amis, j'espère que ce petit let's play, cette petite découverte du jeu Hot Shot Racing vous aura plu. Alors, si c'est le cas, eh bien, je ferai davantage de vidéos de la sorte parce que moi, j'adore les jeux de bagnole. Alors ici, évidemment, ben, on est sur PC, on est en 2020, mais comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, comme vous avez pu le constater, c'est un jeu qui sent bon le rétro. Et moi, j'adore ce genre de course parce que ça me rappelle vraiment les jeux d'arcade d'antan. Alors, vous pouvez vous procurer Hot Shot Racing via Steam, bien entendu. Il est à un peu moins de 20 €, 19,99 €. Et il y a même une version Racing Deluxe Edition avec donc Hot Shot Racing Soundtrack, avec qui est pour l'instant à 22,08 €. Voilà, donc pour moi, c'est un jeu qui vraiment en vaut largement le coup. Vous voyez que beaucoup de spécialistes de jeu, eh bien, lui donnent quand même de très très bons points. 8 sur 10, 4 sur 5, 4 sur 5 ici. Et je pense que c'est vraiment tout à fait justifié parce que c'est un jeu qui est original, qui vraiment met l'arcade à un très haut niveau et donc qui permet de passer d'excellents moments sur son PC ou sa console.
Nous allons nous quitter ici, chers petits amis. Merci une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, parce que Amimac TV, c'est de l'Amiga, mais pas que, comme vous avez pu le constater. Donc si vous êtes fan des anciennes consoles Sega, Nintendo, des jeux d'arcade, etc., jusqu'aux années 90, jusqu'au tout début des années 2000, n'hésitez pas, venez rejoindre les rangs d'Amimac TV. Alors, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est déjà fait, c'est très important parce que cela fait grandir la chaîne et cela me donne de plus en plus envie de faire des vidéos. Et attention, parce que ce n'est pas si facile que ça que de faire des vidéos de qualité. En tout cas, j'espère qu'elles sont de qualité pour vous, chers amis. Donc, un petit abonnement, un pouce vers le haut, un partage, des commentaires, tout cela m'encourage. Voilà, c'était Amiga Kid. On se retrouve très prochainement. Bye bye.